Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Tau. On avait récupéré la clé à molette de Joncle et finalement on a réussi péniblement à récupérer nos 3 tickets pour réussir à attraper le marteau. On va tout de suite voir en jeu ce que ça donne. Et en fait, je me suis aperçu que si vous le faisiez plusieurs fois, ça va être ça qu'on va devoir faire, hein, effrayer le pseudo-chien. Ben vous voyez, ici, il aboie, il effraie le chat. Donc j'imagine que si on le refait une troisième fois, et ben tout simplement, on offrira également l'oiseau. Et du coup, j'ai très envie de le faire. Je vais attendre que tout ce petit monde revienne pour qu'on puisse voir ça. Et on les voit en nombre chinoise. Donc le chat revient. Le négociant revient et remet le chien dans la cage. Et du coup, j'ai très envie de le faire une autre fois. Donc le chien effraie le chat. Et voilà, et l'oiseau aussi. Bon, ça n'avait aucun intérêt, sauf celui de nous divertir, tout simplement. Il faut que je trouve un moyen d'ouvrir ce coffre-fort. On dirait que 3 tickets feront l'affaire. Eh bien, j'ai 3 tickets, tout simplement. Comment je les mets? Comment je les mets? Comme ça. Tout simplement. Comme ça. Oh là là! Je vais pas assez vite. Je vais pas assez vite du tout. Avancer un peu, qu'on puisse mieux viser, parce que visiblement on n'arrive pas à viser. Voilà, et le troisième tout mâchouillé. Ah, le troisième tout mâchouillé ne marche pas. Qu'est-ce que je peux faire pour mon tout mâchouillé, du coup? Donc effectivement, trouve le troisième ticket n'est pas validé. Parce que, visiblement, il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait. Je sais pas si là, c'est la même sortie que là. Oui, c'est la même sortie que là. Du coup, ici, j'ai bien récupéré le ticket et j'en vois pas d'autres. Du coup, mon ticket mâchouillé... passe pas. C'est un peu décevant. Ouais, comme ça on sera un peu débarrassé. Le temps de réfléchir. C'est bien ça, il ne passe pas, les petites épingles à linge ne servent à rien, petit marteau non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup?
On a dû louper quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire ? Essayer d'aller un peu partout, voir ce qu'on peut faire, parce que j'ai pas énormément d'idées. Ici, on a récupéré le ticket. Donc tu me fais penser à moi quand j'étais jeune, j'ai vu une étoile filante. Après quoi, il est arrivé quelque chose d'étrange à Joncle. Heureusement que tu as échappé à ces changements petites. Donc ça doit être ce qui devait nous faire penser tout simplement aux météorites ici. Donc ça, on a fait le taf. Est-ce que je pourrais pas genre poser mon... Non, je peux pas poser mon ticket pour qu'il se fasse écraser par un... Par un sac de sable. Pour qu'il revienne un petit peu moins... abîmé, on va dire. Donc, il y a la taupe hein, qu'on a. C'est pas ce qu'il faut. Mais la taupe, elle est sous un sèche-cheveux. Dégage, taupe. Moi aussi, je veux le sèche-cheveux. Voilà. Du chaud. Peut-être un petit peu trop chaud. Mon ticket, lui, il va sécher. Parfait, comme neuf. Le marchand n'y verra rien. On retourne faire notre petite manip avec le chat, le chien et l'oiseau. Encore heureux qu'il a pas beaucoup de clients et qu'il s'en est pas rendu compte. Sinon, on serait plutôt dans la mouise. Il s'enfuit, on rigole. Et on va pouvoir mettre notre dernier ticket. Ah bah cette fois-ci, tu t'y approches. Carrément, quoi. Ouais! Et on récupère le marteau! Et on s'en va, tout simplement. Donc après avoir réuni tous les outils qu'elle recherchait, la fillette se dépêche de rentrer chez elle pour réparer le moteur sacré. On va peut-être pouvoir réparer notre moteur en espérant que la fameuse créature n'ait pas fait plus de dégâts ailleurs. Ok, donc on a une nouvelle créature qui n'était pas là la fois derrière. Ça... Ah, si, elle est toujours là. Oh, elle est maléfique, elle nous pique nos outils. Oh là là. Oh là là, tout ça pour ça. Je dois attraper le voleur et récupérer mes outils. Bah oui, là, carrément, tu dois attraper tes outils. Hein. Alors, une petite créature de plus dans notre bestiaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors si t'étais Cubus, tu y arriverais? Si t'étais Cubus, tu y arriverais. Je sais pas ce que ça nous débloque. Alors, on a des choses ici.
Ok, donc ni Cubus ni la fille ne savent ce qu'il faut faire. Il y a cette chose-là qu'on peut ramasser, tout simplement. On peut également ramasser cette trompette. Et parler. Le poussin s'est tellement laissé emporter par sa voix qu'il a complètement oublié comment voler. Il est tombé dans mon tuyau et je ne sais pas quoi faire. Il est coincé et je ne peux pas bouger. Aide-moi s'il te plaît. Le poussin est coincé dans le tuyau. Sérieux. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose avec ça? Ça fait quelque chose, ça? C'est pas grand chose, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Est-ce que je peux le mettre quelque part? Non. Pas là. Ah, il y a des emplacements ici. Je peux pas le poser là. Ça avait l'air pas mal pourtant comme idée. Ici. Ok. Faut être Cubus. Ah, faut le mettre dans le bon, tout simplement. Ça m'aide pas à décoincer le poussin, mais bon. Est-ce que je vois autre chose? Sans doute réparer ceci. C'est pareil, ça, je vois pas. Ouais. Est-ce que je peux aller par là? Non. Et je peux pas aller par là non plus puisque c'est cassé. Donc il va falloir, eh bien, tout simplement. Bah ouais. Trouver une solution. Uniquement sur ce tableau, sachant qu'on a, on a ça aussi sur celui-là. Je suis à 3 sur 4. Et je vois pas où serait le quatrième. On a bien ça qui ressemblerait bien, mais depuis tout à l'heure ça nous dit qu'on n'en fait rien. Ça nous dit pas, mais... Ça fait de la fumée, quoi, c'est tout. Mais ça semble pas suffisant. Comment je décoince cet oiseau? Est-ce
Est-ce que je peux genre jouer de la trompette? Non. Du coup, je vais le laisser là. Ouais, ça me paraît la meilleure idée. Et lui, du coup, tout ce qu'il nous dit, c'est que le poussin ne sait plus voler et qu'il est tombé dans nos tuyaux. Bien évidemment, je peux pas faire en sorte que son tuyau soit relié à ces trucs-là. Ouais, et puis on voit bien, ça manque de puissance, donc il va falloir un quatrième. Et parti comme c'est parti, le quatrième va être derrière cette chose. Mais est-ce que, par exemple, je peux faire ce genre de choses? Non. Je vais tous les récupérer. On va voir s'il y en a un qui fonctionne. Non. Non plus. Au moins, comme ça, c'est clair. Et cette chose-là, on ne peut rien en faire non plus. Il y a le totem. Mais pour le coup, on ne sait pas encore ce qu'il faut en faire. Wesh, je suis pas très inspiré là. Je peux pas aller à droite ni à gauche. Donc il faut que je fasse avec ce que j'ai. Peut-être qu'il faut pomper plus longtemps, hein, tout simplement. On met la trompette. On met. Ah, il y a peut-être une combinaison aussi. Peut-être une combinaison spéciale. S'il faut que je commence à essayer des combinaisons. Ça n'a pas l'air très fameux. Puis je vois bien l'oiseau, mais je vois pas du tout comment gérer ça. Surtout qu'on n'a pas l'air de pouvoir genre faire de la trompette. J'ai pas spécialement d'idée là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire exactement? Je peux aller par ici. J'ai pas l'impression de voir d'objets. J'ai essayé de lui donner les trois trucs. Ça marche pas. Si je me transforme en cubus, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire que je pouvais pas faire? Je peux pas interagir avec lui. Oui, voilà. On a besoin de la fille. Et j'ai pas l'impression de pouvoir porter un truc spécialement.
Je crois que je les ai tous essayés, mais ça me donne quand même bien envie de le foutre dans le bec, ça, depuis le début. Je vais réessayer. Donc, la trompette, on a dit. Ça veut pas. Le truc à vis, ça veut pas. Et le tuyau, ça veut pas. Ici, bah c'est pas probant. Et on le voit bien le petit oiseau, mais... Comment je pourrais faire pour récupérer cet oiseau? Il a oublié de voler, il est tombé dans le tuyau. Il est coincé, je peux pas bouger. Coincé et je peux pas bouger. Sauf que nous, on peut pas rien faire tant qu'il est là. Ça m'embête de claquer un indice. Ouais, parce que dès que je le touche, ça le fait pas. Et je peux pas attraper la fourchette, hein. Moi j'ai putain d'envie d'attraper cette fourchette et lui coller dedans. Mais la fourchette ne sert à rien. Puis j'ai pas très envie d'essayer toutes les combinaisons possibles pour ça, ça me paraît un peu beaucoup. Il y a forcément une astuce. Ah, j'ai eu une petite musique. Ah, c'est donc c'était bien ça. Il fallait trouver la bonne combinaison. J'ai peut-être trouvé la bonne combinaison pour celui-là, mais pas pour les autres. Ok, je vais essayer de faire attention. On va essayer partout. Donc, la trompette, j'ai essayé ici. J'essaye là. Ah, ça nous fait une petite bruit de trompette. Ok, c'était juste une combinatoire. Et l'oiseau est effectivement ressorti. Et on a réussi à faire sortir l'oiseau. Ce qui nous a libéré le chemin. Ok, c'était juste de la combinaison. On va pouvoir poursuivre notre ami encapuchonné. Ou plutôt notre ennemi. Oh, il s'enfuit. Et on se retrouve face à des trucs chelous, comme d'habitude. Alors, on récupère les petits insectes qu'on peut récupérer. Celui-là, juste, il s'enfuit. Ok, il n'y a pas d'autres insectes à mettre dans ma collection. Le crapaud fait des trucs...
Ok, donc on récupère des baies visiblement ici. On peut faire changer la couleur de l'eau. Là, comme ça, je vois pas l'intérêt. Mais toi, il y en aura un. Et je vois aussi qu'on a tasse plus ce qu'on vient de récupérer, une petite baie. Ça donne, eh bien, visiblement, de la potion. Oui, oui, je cherchais des réactifs. Puis boum, je me suis trouvé piégé. Je peux pas sortir tout seul. Oui, oui, seule la science peut m'aider maintenant. Voici ma recette secrète. Utilise-la judicieusement. Donc du feu, plus du vert, plus du rouge. Ok. Du feu, plus du vert, plus du rouge. Ça doit être à utiliser dans la machine. Alors, dis-nous tout, machine. Quelque chose me dit que ça va être compliqué. Comment ça marche ? Oui, mais je peux pas tout mettre moi. Ah, peut-il faire ça? Donc ça ressemble à du... J'ai dit rouge, je crois, pour le dernier. Ok, donc on a fait un récipient, en espérant qu'on ne s'est pas planté, et on va aller le donner à cette créature. Ah, je voulais le donner, pas lui. Donc, ça ressemble à peu près à ce qu'on a fait, du orange chauffé plus du vert plus du rouge, si je te donne le réactif. On s'est planté, visiblement. Ok. Alors, est-ce que je peux récupérer la tasse? Ouais. Est-ce que je peux récupérer quelque chose? Alors, j'ai goûté. Est-ce que je peux... Non, je peux pas récupérer une tasse de ça. Ça m'aurait arrangé. Puisque cette formule-là m'aurait bien arrangé. On va réessayer. Donc, on a dit du rouge avec... donc on a dit pas du rouge pur. On a dit du vert. Si je fais ça, ça serait du jaune. Et ça, ce serait du pas jaune. Ouais, ça ressemble déjà un peu plus à du vert. Et du coup, on a dit du rouge pur. Pas chauffé. Non, mais s'il faut que je fasse des allers-retours à chaque fois, j'espère que je vais pas me planter 300 millions de fois. On va... Allez voir ce qu'on trouve. Aurait-on réussi? Ah oui, non mais... Réflexe de cliquer dessus et à chaque fois, du coup... On réactive le dialogue. C'est pas le dialogue que je veux, c'est lui donner son réactif. Oh, punaise.
Ok, donc ça nous a débloqué une nouvelle énigme. Et je pense que tout simplement, on la fera la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et bye bye!